Toutes les petites bulles là qu'on peut voir, c'est la fermentation malolactique. Ça veut dire que le sucre est déjà transformé en alcool, et maintenant c'est l'acide malique qui se transforme en acide lactique. Donc là, il y en a pour combien de temps? Intéressant, oh, Ouais. ça peut durer longtemps, Un temps, ouais. ça va plus ou moins vite, tout dépend de La température. la température ambiante, il faut qu'on soit entre 18 et 20 degrés. Ouais. Et ça s'arrête, si jamais tu passes en dessous de 18 degrés, ça a tendance à s'arrêter. Et quand ça se réchauffe, ça reprend, mais il ne faut pas affaiblir les levures. Donc on veut y avoir une température à peu près constante. Donc quand la cuve est pleine, tu vois jusque là, elle est pleine, pas complètement pleine ici. Okay. Toutes ces bulles, ça forme des bulles d'air, et ces bulles d'air, elles éclatent en longeant le bord, et du coup, tu entends des bloups, bloups. Et là, ce qu'on entend, c'est l'autre côté qui ferme. C'est ça, oui, hein. Tu en as entendu une là? Donc, on va aller regarder Ouais. l'autre à côté. Et ça, c'est très bon signe, c'est bien.